Salut, salut famille, bonjour, comment vous allez? Voilà, je vais très bien. Voilà. Petite vidéo rapide, au fait, me prononcer un peu sur l'interview de Yabongo Lova et vous donner quelques informations sur la tournée de Bordeaux Likoufa en Europe. Voilà, comme je vous ai dit hier, il sera bel et bien ce 23 avec vous. Donc, je compte vraiment, vraiment, vraiment sur vous. Voilà, en tout cas, faites du balèze parce que moi, je sais que les fans des Bordeaux, c'est des gens qui sont vraiment, vraiment dévoués à leur artiste. Voilà, comme je dis toujours dans mes vidéos, hein, n'écoutez pas toute cette campagne de sabotage là. Voilà, on reste des Bordeaux jusqu'à la mort. Voilà, parce que, comme j'ai dit, 2018, c'est une année d'accomplissement. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi, mais ils comprendront. Voilà, quand mon artiste dit qu'il vendra plus de 200 000 exemplaires en 10 jours, c'est pas que c'est faux. Voilà, c'est des choses qui sont vraies. On pourra faire. Voilà. Moi, en tout cas, je suis serein. Comme j'ai dit, il y a la tête pour ça, hein, il y a la tête pour ça. On est en train de mettre tout en place. Vous ne serez pas dessus. Voilà. Et cependant aussi, il faut dire que la vidéo de Yabongo ne dit pas qu'il n'a pas reçu des Dixtor. Voilà. Pour information et pour culture générale, est-ce que vous savez que le Dixtor américain est différent du Dixtor européen? Voilà. Parce que chaque continent à ses critères, chaque organisation de disques ou de label à ses critères, chaque on va dire ONG ou bien association d'artistes dans chaque différent continent à ses critères. Par exemple, aux États-Unis, pour avoir un disque d'or, c'est 100 000 ventes. Voilà, vous voyez un peu, c'est 100 000 ventes, ce qui est contraire en Europe qui est dans l'ordre de trucs de 50 000 ventes. Vous comprenez un peu? Voilà. Pour le disque d'or, pour le disque de platine, il faut compter au moins 500 000 ventes. Pour le disque de diamant, 1 million de ventes. Donc vous comprenez que ce n'est pas les mêmes critères. Donc je suis un peu choqué, outré de voir certaines personnes qui disent que le disque d'or que des associations africaines vont décerner à X, Y ne sont pas crédibles devant celui de la France ou de l'Europe. C'est des conneries parce que la France, le poids du disque d'or français ou truc européen n'a pas de poids devant le disque d'or américain, pour ceux qui le savent. Donc souvent, respectons souvent nos organisations. Voilà. Même si l'UNATSI s'élève pour dire que nous desservons un disque d'or à tel artiste ivoirien, on doit applaudir cela. Parce que c'est une institution crédible, c'est une institution qui réunit tous les artistes ivoiriens. Voilà. Donc apprenons déjà à nous respecter nous-mêmes d'abord, au lieu de vouloir toujours faire la promotion de l'extérieur. Voilà, c'était ma petite vidéo rapide. Maintenant, j'attends les réactions. En fonction des réactions, je vais vous étaler toute l'industrie du disque et vous dire comment ça marche. Voilà, il y a des personnes qui pensent qu'elles sont arrivées, donc ils parlent pour ne rien dire. Voilà, donc on va aller faire le coup. Voilà, on va faire le coup. Nous, on n'a pas besoin d'être ça. Voilà, nous, tout ce qu'on peut faire pour le truc, la progression du mouvement, c'est ce qu'on fait. Donc, ne dépensez pas que vous connaissez tout. Quand les petits hommes comme nous vous donnent des conseils ou nous vous informons, partez vérifier, vous verrez si on vous ment ou on vous dit la vérité. Donc c'était la petite vidéo du jour. Ciao, ciao les amis, et que Dieu vous bénisse. On est ensemble.